Je suis passé à l'ancien hôpital que la flamme a mentionné. Il y a des gardes, mais rien d'insurmontable. Vous êtes prêts? Je suis convaincu que c'est un piège. Il nous faut un plan d'attaque. Oui, on se retrouve sur le toit près de l'hôpital pour en parler. Alors, comme la mission précédente, on était à Chinatown un certain temps et nous contacte direction Astoria. À plus tard. Elle y allait sans moi ? Allez, je la suis. Non. Il respire encore. Et je sais pas si la flamme aura cette chance. Yuri m'a bien dit à quel point il était dangereux. On sait strictement rien sur leur projet d'or écarlate. Et elle, elle fonce tête baissée. Bon, où est-ce que vous êtes, Yuri? J'aime pas beaucoup ce bruit. Il faut à tout prix que je la retrouve. Ouais, alors il y a celui-là, allez quoi. Un peu bizarre, hein, leur indicateur. Ah, est-ce que c'est parce qu'il y avait un autre moyen de rentrer? Ah, non, ça me paraît mieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne? Beaucoup mieux. Et voilà. C'est une carte de Brooklyn. C'est là que l'or écarlate est censé se passer? Une décharge, un parking, une bibliothèque. C'est quoi le lien? Qu'est-ce que vient faire Oscorp dans tout ça? Pourquoi Brooklyn? Non! Qu'est-ce qu'il y a encore? Vite! Vous me dégagez tout ça dès que possible! Où est passée l'équipe du toit? C'est pas toi le chef ici. Maintenant, vite! Yuri est derrière ces décombres. Si je neutralise ses adeptes, j'arriverai jusqu'à elle. Et la flamme. Mais... ils fabriquent des explosifs? En fait, ils n'attendent pas leur écarlate. Ils veulent la provoquer. Ma loyauté ira toujours à la flamme. C'était quoi ce bruit? Vous aviez dit qu'elle était seule? Pas facile à dire. Il est ici! C'est en retard! Tu donnes des fous! À moins que tu sois retrouvé tout seul! T'as pas les connes? C'est ringard d'arriver à l'heure la soirée! Rien ne peut arrêter la prophétie! Elle est où, votre heure écarlate? C'est Brooklyn la cible? Brooklyn n'est que le commencement! Qu'est-ce que vous voulez au juste? Il faut virer les décombres!
Mais personne n'a parlé de ce... Arrêtez ! L'idole des fous en personne ! J'avais prédit qu'il viendrait ! Non ! Je savais que tu avais ça en toi, Yuri. Voilà. Maintenez la pression dessus, le truc. C'est pas ça. Si vous voulez la flamme, vous devrez d'abord me passer dessus. Dans ce cas, préparez-vous à souffrir le martyr. Tu n'as pas le choix. Tu vas devoir le tuer, Yuri. Selon ma prophétie. Ce genre de choses, ça finit toujours mal, Yuri. Faites-moi confiance. Vous faire confiance? Et si c'était à vous de me faire confiance? Vous n'étiez pas là la première fois qu'il s'est échappé. Vous n'avez pas vu les corps. Vous n'avez pas vu son visage. Non, j'ose même pas imaginer. Mais... Tous mes compliments, vous allez passer le reste de votre vie dans une cellule. Et tout ça, c'est grâce à toi. Mais je sens que ça va me défouler. Dégagez de mon chemin. Vous savez que j'ai pas le choix. J'essaie de faire ce qui est juste. C'est ça, comme si vous saviez ce que ça veut dire. Vous espérez. Vous essayez. Moi, j'agis. Et vous vous trompez jamais ! Ouvrez les cieux ! Tout est devenu flou ! Vous cherchez plus à être bon qu'à faire le bien ! Et ça, depuis le début. Avant, vous pensiez qu'on pouvait faire les deux. Oui. Et puis j'ai grandi. Vous parlez comme si j'avais jamais sauvé personne. Oh, et vous n'avez jamais laissé mourir personne sous votre surveillance. Vous êtes naïf. C'est pas à vous de décider ce qu'est la justice. Vous n'êtes qu'un homme qui porte un masque. Vous jouez les héros. Combien de fois vous vous êtes planté? Yuri. Tout va bien? C'est barré. Va falloir établir vos priorités. Parce que je préfère perdre le sommeil pour une personne que j'ai tuée plutôt que pour toutes celles que j'aurais échoué à sauver. Sympa ce qui est un mix comparé à d'autres. Je connais mes priorités. La flamme ne fera plus de mal à qui que ce soit. Je le trouverai. D'une manière ou d'une autre. Attendez, comment ça ?
terminer la flamme pour Astoria.